السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد Aujourd'hui, on va faire la page 78 et 79 du petit matheux, la cinquième année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est les fractions, multiplication et division. Les objectifs, c'est d'exprimer le produit d'un nombre entier naturel et d'une fraction et le produit de deux fractions par une fraction. Connaître l'inverse d'un nombre et d'une fraction. Utiliser les propriétés de la multiplication. Exprimer le quotient d'une fraction et d'un nombre entier et le quotient de deux fractions par une fraction. Résoudre des situations problèmes. Et quotidienne en utilisant la multiplication et la division des fractions donc on commence l'exercice 1 la commune d'une ville a décidé de consacrer le 1,5 d'un parc carré par des terrains de sport un terrain de football va prendre la, les deux cinquièmes de la zone J'utilise des dessins pour indiquer la fraction du parc qui sera occupé par le terrain du football. Donc, euh, comme vous voyez, la commune d'une ville a décidé de consacrer le 1,5 d'un parc carré, regardez le parc carré, pour des terrains de sport. Donc, le 1,5, ce qui est assuré ici, il va être consacré. Au terrain de sport un terrain de football va prendre le 2 5e de la zone donc puisque le 1 demi il va être consacré à des terrains de sport plusieurs types de sport donc pour le football on va prendre le 2 5e de cette zone regardez le football il va prendre le 2 5e donc ce 1 demi on va le diviser en cinq parties et seulement le 2 e va être occupé par le football, terrain de football. Donc on a le 1 demi fois 2 5e égale combien? On a le 2 cinquième du 1 demi. 2 cinquièmes du 1 demi. demi, donc 1 demi fois 2 cinquièmes, 1 x 2 égale 2. Et 2 x 5 égale 10. Donc on passe à l'exercice 2. Environ les 7 dixièmes de la surface de la Terre sont occupés par l'eau. Dans cette partie, environ le 1,5 est recouvert par l'océan Pacifique. La zone de chevauchement du modèle représente la partie recouverte par l'océan Pacifique qui est. Donc je répète environ les 7 dixièmes. Regardez les sept dixièmes. Donc on a ici le dessin, il est divisé en dix parties. Donc les sept dixièmes de la surface de la Terre sont occupés par l'eau. Donc les 7 dixièmes de cette surface de la Terre, elle est occupée par l'eau. Dans cette partie, environ le demi est recouvert par l'océan Pacifique. Donc regardez dans cette partie, le 1,5 est recouvert par l'océan Pacifique. De la zone de chevauchement du modèle représenté. Donc, la partie recouverte par l'océan Pacifique et qui est 1,5 de 7 dixièmes. Regardez les 7 dixièmes. Les 7 dixièmes. Donc, le 1,5, ici le 1,5, il est représenté par quoi Là, il est recouvert par l'océan Pacifique. Pacifique. Donc, regardez la zone de chevauchement. Oui, on regarde la couleur bleue et la couleur rouge. Donc, cette partie, elle est représentée par 1 demi. Donc, 1 demi fois 7 dixième égale 1 demi fois 7 dixième. Donc, 1 fois 7 égale 7 et 2 fois 10 égale 20. Donc, 7 sur 20. Donc cette partie qui est recouverte par l'océan Pacifique, il représente le 7 sur 20. Regardez, je vais compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7. Le total, c'est 20. Il est réparti en 20 parties. Donc la surface de la Terre recouverte par l'océan Pacifique est 7 sur 20. Donc, on passe à l'exercice 3. Je calcule. Donc, on a le 1 demi ou là, le 2/5 de 1 demi. Donc, regardez le 1 demi de ce cercle. Donc, ce cercle-là, ce disque, il est divisé en combien de parties En 10 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le 2 cinquième de 1 demi. Donc, regardez ici, c'est le 2 cinquième, 1, 2. 2 sur 5. On va la multiplier par la moitié de 1 demi. Donc, euh, le 2 cinquième de 1 demi égale combien 2 deux fois 1 deux fois égale 2, deux, 2 sur 10. Donc, euh, si je compte ici, 2 cinquièmes de 1 demi, il représente 2 sur le total, égal 10. Donc, égal 2 sur 10. Donc, si je compte ici. Donc, on a 1 2, 2, 10, 2 sur 10. Donc, 2 cinquièmes fois 1 demi, égale 2 fois 1, 5 fois 2, Égale 2 sur 10. Donc, l'autre cas, on a quoi On a 2 sur 4, le 2 quart. Donc, regardez, euh, on a divisé ce cercle en 4 parties. Si je divise comme ça, oui, comme ça. On a 2 sur 4. Regardez 2 sur 4. Ici, c'est 2 sur 4. De 1 demi. Donc, on a pris seulement le 1 demi ici. Donc, 2, deux, les deux parties 1, 2. De 1 demi. Le 1 demi de ce cercle. Il est représenté par 4 parties. Donc, euh, combien 1, 2. Donc, on va écrire 2. Sur quoi 2 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 2 huitièmes. Égal 2 huitièmes. Si je compte ici. Comment on a trouvé On a multiplié 2 sur 4 fois 1 demi. 2 fois 1 égale 2 fois 1. Et 4 fois 2, c'est 4 fois 2. Donc 2 huitièmes. Donc, qu'est-ce que je remarque Lors de la multiplication, je multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Donc, 2 fois 1 égale 2. 4 fois 2 égale 8. Ici, dans la multiplication, je ne réduis pas au même dénominateur, seulement je multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Donc, il faut apprendre la règle. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 4. J'utilise des dessins. Regardez les dessins que j'ai utilisés dans l'exercice 3. Oui. J'utilise des dessins et j'écris chaque produit. Premièrement, je vais utiliser les dessins et je vais écrire chaque produit. Donc, le premier cas, regardez. J'ai fait le dessin. On a 5 fois 2 sur 3. Donc, on a 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 2 tiers, on va prendre les 2 tiers de 5. 2 tiers de 5. Donc, regardez, on a premièrement, attendez, je vais prendre un silo. Oui, un silo maintenant. Rouge. Donc, on a cinq parties. Donc, je vais assurer les cinq parties. Je vais les assurer, oui. Et je vais prendre de ces cinq parties. Regardez, j'ai assuré, oui. Je vais assurer les cinq. Et je vais prendre seulement les deux tiers. On a un, deux, trois. Donc, je vais prendre seulement les deux tiers. Donc, c'est ça, les deux tiers. Donc, je vais assurer les deux tiers. Oui, je vais assurer les deux sur trois. Oui, j'ai mis la deuxième couleur. Regardez le chevauchement. Oui. Et quel est le résultat Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur quoi 10 sur 3. 10 sur 3. Donc le résultat, c'est 10 sur 3. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour euh, euh, comment on a trouvé pour la multiplication. Donc, on a mis le 5 fois 2. 5 fois 2. Ici, on va réduire, on va mettre 1 au-dessus de, de 5. Dans le dénominateur, je vais mettre 1. Donc, 5 fois 2 sur 1 fois 3 égale 10 sur 3. C'est ce que j'ai trouvé moi, 10 sur 3. Regardez d'après le schéma, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 3. Sur 3. Oui, on passe à la suivante. J'espère que vous avez compris. On a ici 6. Donc, 6 fois 3 sur 5. Donc, trois cinquièmes de six parties ici. Donc, on a les six parties. Je vais assurer les six parties. Donc, euh, j'assure, oui, les six parties ici. Donc, euh, et je vais prendre de ces six parties combien? Trois cinquièmes. Donc seulement 3. Je vais assurer seulement 3 ici. Et je vais compter combien j'ai de parties, la partie qui est où il y a le chevauchement. Donc 3. J'espère que vous avez compris. Donc 3. Euh, et ici, c'est 3. Oui. Maintenant, je vais compter. 3 plus 3, ça fait, 9, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Plus 3, 12. Plus 3, 15. Plus 3, 18. Donc, on a quoi On a 18 sur 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, oui. Oui, 6 parties. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6. on a, J'ai compté, j'ai trouvé 18. 18 sur quoi Sur 5 parties ici. Donc, c'est ça. Il est représenté par les 3 cinquièmes. Ici, c'est 3 cinquièmes. Donc, on va mettre le résultat. C'est 18 sur 5. Donc, on passe à la suivante. On a 3 quarts fois 5 sur 2. Donc, 3 euh, quarts. Donc, on a 4 parties ici. 1, 2, 3, 4. Donc, on va assurer seulement 3 parties. Donc, on va assurer 3 parties. Seulement 3. 3 sur 4. Donc, 3 sur 4. Oui. On va assurer 3 sur 4. Et on a ici 5 sur 2. Donc, on va diviser par 2. Cette partie, on va la diviser par 2. Regardez, je vais la diviser par 2. Oui, pour la moitié. Donc, je vais diviser par 2. Oui. Et je vais assurer. Oui, je vais assurer 5, euh, je crois, oui. Je vais assurer. On a 3 sur 4. Et on va la multiplier par 5 sur 2. Donc, on va assurer seulement cette partie. Oui, je vais assurer seulement cette partie. Non, je vais assurer 5, 5, je m'excuse, on va assurer seulement 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Donc, on va assurer 5 parties ici. Donc, euh, oui, 5, ils ont dit 5, oui.

Oui, donc euh, cette partie non. Oui. Donc ici non, c'est pas cette partie. Donc c'est là non. On va l'éliminer. Donc, je vais rec recompter une autre fois. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seulement 15 parties. Donc, on a 15. Sur quoi Regardez sur 1 divisé en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, sur 8. 15 sur 8. Donc, on passe à la suivante. Oui. On a 7 sur 8 fois 2, 3 sur 2. On a 7 sur 8 fois 3 sur 2. Donc, on a cette partie ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, sur 8 parties, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 parties, 7 sur 8. Donc, euh, et multiplié par 3 sur 2. Donc, on va diviser celle-là. Je vais diviser 3 par 2. Oui, je vais diviser tout. Regardez, je divise. Je répète, on a 7 sur 8. Donc, euh, je vais les colorer. On a 7 sur 8, cette partie. Je vais les colorer. Oui, les 7, je vais les colorer. C'est simple et clair, j'espère. Donc, on a 7. Comment on représente On a 7 sur 8 multiplié par 3 sur 2. Donc, je vais seulement assurer 3. Donc, regardez j'assure 3 1 2 3 donc 1 2 3 oui 1 2 3 donc regardez 2 2 il représente 3 demi donc c'est il représente 3 demi 3 demi 1 2 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, c'est sur 21. Regardez, 21 sur 16. Donc, je vais écrire 16. 21 sur 16, c'est ça le résultat. Donc, qu'est-ce que je peux conclure de, de ces dessins? Que Toujours dans la multiplication, je multiplie le numérateur par le numérateur. Regardez, j'ai 7 sur 8. Je vais la multiplier par 3 sur 2, égale 21 sur 16. Idem d'où j'ai obtenu 21. 21 égale 7 fois 3. Et 16, 8 fois 3. Donc, je multiplie le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur. Donc, euh, on passe à l'exercice suivant. J'utilise un modèle et je cherche combien y a-t-il de 1 sixième dans 1. Combien y a-t-il de 1 sixième dans 1? Donc, euh, 1 divisé par 1 sixième. Je représente 1 par un rectangle. Regardez, j'ai représenté 1 par un seul rectangle. Si j'ai 2, je vais les représenter par deux rectangles. Donc, je représente 1 par un rectangle. Je remplace 1 par 6 sur 6. Donc, j'ai divisé ce même rectangle. Je l'ai divisé en 6 parties. Lesquelles 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Donc, il y a 6 fois 1 sixième. Regardez ici, j'ai le 1 sixième. Ici, un sixième. 1 sixième. 1 sixième. 1 sixième. Et 1 sixième. Donc, combien j'ai de 1 sixième 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, combien j'ai J'ai 6. Donc, il y a 6 fois 1 sixième. Dans 6 six sur 6. Dans 6 sur 6, il y a 6 fois 1 sixième. Donc 6 six sur 6 divisé par 1 sur 6 égale 6. Donc qu'est-ce que j'ai fait Donc 1 sur 6, c'est. Je vais euh, chercher l'inverse de 1 sur 6. Donc 1 sur 6. Donc je cherche l'inverse. Donc, on a toujours, par exemple, j'ai 3 sur 2, l'inverse de 3 sur 2, l'inverse est... Donc, ce qui est au numérateur va devenir au dénominateur, et ce qui est au dénominateur, on va le remonter en numérateur. Donc, c'est 2 sur 3. Donc l'inverse de 3 sur 2 est 2 sur 3. Donc l'inverse de 1 quart, l'inverse c'est 4. Donc je vais remonter 4 vers le numérateur. Et pour le dénominateur, il va descendre 1. Donc je vais les inverser. Je vais inverser le numérateur et le dénominateur. C'est ça l'inverse. Donc, toujours dans la division, j'utilise euh, l'inverse. L'inverse quand Dans la deuxième fraction. Je garde la première fraction et j'inverse la deuxième fraction. Donc, euh, ici, j'ai 1 un, un divisé par le 1 sixième. Ici. Donc, je garde 1 et j'inverse le 1 sixième. Et qu'est-ce que je vais inverser? La division, je vais la transformer en multiplication. C'est obligatoire. Donc, la division, il va se transformer en multiplication. Et j'écris 6 sur 1. Et j'applique la règle de la multiplication pour la multiplication. Je multiplie le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur. Donc c'est ça la multiplication. Donc on a 1 fois 6 sur, ici 1 sur 1, c'est 1 fois 1. Égale 6. Donc le résultat, c'est 6. C'est ce que j'ai trouvé dans le schéma. J'ai trouvé 6. Donc on va mettre 1 divisé par 1 sur 6 égale 6, tout simplement. Donc je passe à la page suivante oui donc euh, je pousse le livre' ben, le début de l'exercice oui je calcule maintenant je vais calculer on a deux tiers regardez ce rectangle j'ai divisé ce rectangle en trois parties donc 1 2 3 je vais colorer 2 parce que le numérateur il y a deux sur 3 donc je vais colorer 3, on va la diviser par 4. Donc 3, je vais la diviser par 4. Égale 2 sur 3 multiplié par 1 sur 4. Donc 2 sur 3, je vais la multiplier par 1 sur 4. Qu'est-ce que je vais obtenir? On va obtenir 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le résultat, c'est 1 sixième. Normalement, je, vais, je dois trouver 1 sixième dans le résultat. Donc, qu'est-ce que je vais écrire Donc, 2 fois 1, j'applique la règle. Regardez, j'ai fait l'inverse 4, j'ai inversé 4 et j'ai obtenu 1 sur 4. Donc, 4 égale 1 sur 4. Donc, je garde 2 sur 3. Donc, je dois appliquer la règle de la multiplication. C'est 2 fois 1 divisé par 3 fois 4. Donc, égale combien est 12. Je vais simplifier par 2 et j'obtiens 1 sur 6. C'est ce que j'ai trouvé ici dans le schéma. C'est le 1 sixième. Le résultat, c'est 1 sur 6. Regardez, le résultat, c'est 1 sur 6. Donc, on a 2 sur 3 divisé par 4 ça signifie prendre le 1 quart de 2 tiers. Donc, je dois prendre le 1 quart de 2 tiers ou 2 sur 3 fois 1 sur 4 et on a trouvé égal à 1 sixième. Donc, on passe à l'exercice 7. Je calcule 3 quarts divisé par 3 huitièmes. Je réduis les deux fractions au même dénominateur. 3 sur 4 fois 2 sur 2 égale 6 huitièmes. Donc, on a, je calcule, 3 quarts divisé par 3 huitièmes. Donc, qu'est-ce qui signifie Que ça signifie le 8 sur 3, 8 tiers de 3 quarts. Le 8 tiers de, le, le oui, de 3 quarts. Donc, euh, on a 3 sur 4 fois 2 sur 2 égale 6 sur 8. Je représente 6 sur 8, divisé par 3 sur 8. Combien j'ai eu Donc, regardez 6 sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais multiplier seulement 6. Euh, je vais colorer seulement 6, c'est 6 sur 8. Donc, qu'est-ce que j'ai 6 sur 8 divisé par 3 sur 8 égale. Donc, je vais faire l'inverse, 6 sur 8 multiplié par 8 sur 3. Égale combien? Égale 48 sur 24. C'est ça, le résultat, c'est 48 sur 24. Donc 48 sur 24 égale combien Je peux diviser par 24 et avoir 2. Donc je vais avoir le résultat, c'est 2. 48 divisé par 24 égale 2. Donc on a, regardez, on a 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on a seulement deux parties. Donc 6, divisé, 6 sur 8 divisé par 3 huitièmes égale 6 sur 8. Toujours, je garde la première fraction et j'inverse la deuxième. Et je trouve 48 sur 24. Et le résultat, c'est 2. Donc ici, on doit mettre 2. Donc euh, on termine, on a un autre exemple 4 sur 5 divisé par le 1 cinquième. Donc 4 cinquièmes multiplié par 5 sur 1 est égal 20 sur 5 est égal 4. Le résultat c'est 4. Oui, ici on a 3 sur 7. Divisé par 1 septième, c'est 3 sur 7, multiplié par 7 sur 1, est égal à 21 sur 7, est égal à 3. Résultat, c'est 3. Donc, on passe à l'exercice 8. J'observe et je complète. On a partagé chacun des 9 jetons. En trois parts égales. Regardez les neuf jetons. On les a divisés en trois parts égales. Un, deux, 3 trois. trois parts égales. Chaque part représente le un tiers du jeton, puisqu'on a divisé en trois parts égales. Donc chaque part, il représente le un tiers. C'est là, c'est le un tiers, un tiers et le un tiers. Donc euh, on a 9, 9 jetons, on va les diviser par 1 tiers, égale combien Donc, on va faire 9 multiplié par 3 sur 1, est égal 27, égale 27. Donc, je vais compter, j'ai 3 fois 9, égale 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. On a obtenu 27. Pour chaque modèle, j'ai créé une division et je trouve le quotient. Donc regardez le premier modèle. On a deux jetons ici. On les a divisés en combien de parties? En huit parties. Donc 2 divisé par le 1 huitième. Qu'est-ce que j'ai? On a 8 plus 8 égale combien? 16. Donc le résultat, c'est 16. Ici, on a 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les a divisés en 4 parties égales. Donc combien j'ai trouvé On a 4 plus 4, ça fait 8, 12, 16, 20, 24. Le résultat, c'est 24. Ici, on a trois jetons, on les a divisés par en cinq parties égales. Donc, le résultat, c'est on a 5 plus 5, c'est 10, plus 5 égale 15. Le résultat, c'est 15. Donc, euh, oui, comme ça, on a terminé la, les deux pages, 78 et 79. N'oubliez surtout pas de s'abonner à ma chaîne. Au revoir.